reste devant nous. Une équipe qui, avec ce qui s'est passé le week-end dernier aussi, va être revancharde, bien sûr, et va vouloir de suite essayer de se remettre sur les rails. Donc on sait que ça va être très compliqué, mais une fois de plus, on espère qu'on a tout fait pour essayer de passer ce stade-là. Non, mais le ressort est tout trouvé. Voilà, on a une chance de rejouer tout de suite un match éliminatoire. D'habitude, il faut attendre un an. Là on n'a pas un an à attendre. On a cette chance-là. Là, on l'a tourné comme ça. Évidemment, il y a des déceptions. Évidemment, voilà, tu perds une finale d'un point, c'est rageant. Mais voilà, il faut continuer. Et puis, on a la chance de jouer une demi-finale maintenant contre une très belle équipe de CAS. Donc, ben voilà. Bien dans la tête, on est prêt à jouer une demi-finale demain. Après, digérer, je pense qu'on l'a tous dans un coin de la tête. Hein, c'est... Comme j'ai pu le dire, si celui-là qui l'a pas dans un coin de la tête n'est pas un compétiteur. Donc on le garde, c'est sûr, ça fait mal, mais voilà, on va essayer de garder cet orage qu'on a eu toute la semaine et de se dire voilà, que demain il faut se relever et faire un gros match. Un état d'esprit neuf, je crois. Voilà, je crois qu'on a réussi à tourner la page cette semaine et j'espère qu'on y est avec beaucoup d'intention. En tout cas, l'entraînement de ce matin s'est très bien passé avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie.